tout 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 tout. Rosso! Rosso, où es-tu? Rosso! Rosso! Bonjour! Un bouquin obscur qui m'a été arraché ne serait pas dans les environs. C'est sans moi qui te l'ai volé, mec! Le Bandana Kid Smike! Linéon et Smogogo. Scarino et Libégon. Ah ouais? Bah pourquoi il dit ça alors? Tu crois que je me souviens de tous les noms de tous les dresseurs que j'ai croisés depuis le début du jeu, je t'avoue que... T'en as 30, t'attends trop de choses de moi, Randé. T'attends trop de perfection de ma part et je pourrais jamais t'offrir ça, mon bro. C'est pour Skyno! Non, Scarino est empoisonné, non! Oh non, déjà falloir aller le soigner si on veut le garder. C'est simple, il avait une bulle affichée à côté de son texte. Et non son nom. Tu ne l'as jamais rencontré avant. Oh mais... Moi je fais pas attention à ces détails là. Bon, je pense que Smogogo il a séisme, il a pas séisme, n'importe quoi. Je pense qu'il a lévitation, mais bon, c'est pas grave. On aura choc le combat, on aura choc le combat. L'important c'est qu'on gagne, après, comment on gagne, c'est pas grave. Et oui, il a lévitation. Je pense que Scarino va mourir. Premier combat, c'est chiant. Scarino, non, mon Scarino adoré. Non. Du coup, on a un sablero, on a ça. Ah, ça te mentin, hein. Je l'ai chié de ouf ce combat. Hein. Franchement, waouh. J'ai fait les pires choix. Et à cause de moi, Scarino est mort. Peut-être que Scarino va faire la tête maintenant. Et mal jouer. Et je le comprendrai. Un aval tout. Parfait. Ça, ça me va, ça. Ça se tue facile, ça. Ah, tant pis, Scarino va avancer sans toi. Hein. Oui, oui, oui. Ouille, ouille. Ouille, ouille, ouille. C'est de la triche. Il est où ton Pokémon obscur, du coup? Vas-y, tu veux te battre? Je ne pensais pas te revoir vivant. Team Snatch Digitus. D'oiseaux et Charmillon.
Libégon Noctali. Je ne m'attendais pas à ce duo. Je n'avais pas prévu ce duo actuellement. Il me saoule Noctali avec ses attaques bidons là. La morsure! Elle d'elle. Ou le aéropic sur Libégon. On va continuer à spam le même. Ah, ça a vraiment touché ça? Il a 128 PV là le Eldel. Incroyable. Libégon, il commence à mettre des claques, hein. Eldel est KO. Libégon niveau 58. Nosferalto. Coup critique. Ah, n'importe quoi. On va continuer à spammer, hein. Ils m'embêtent, ils ont tous attaqué aéropic. Moi je peux même pas, je l'ai même pas une fois. Oh l'enfoiré, il avait cette attaque là depuis tout à l'heure. Mais quel enfoiré! Est-ce que Libégon va tomber? Paralysé. Oh non! Non, Libégon! Libégon est tombé! Oh là là là! Je pense qu'une fois qu'on aura fini le repas de la Team Snatch, on s'arrêtera. Ça, je sens que... Depuis que j'ai tué Nosfrat, je suis plus aussi concentré, tu vois, genre... Tranquille, quoi. Nosfrat est mort, on joue tranquille maintenant. Je fais pas gaffe aux attaques que je lance, aux Pokémon que j'envoie. À l'ordre des Pokémon. Bah puis je pense que c'est aussi la... Toute la pression qui est redescendue quoi. En tout cas dans ma tête j'étais en mode attends mais si je repère contre Nosfrat ça veut dire quoi? Je me retape encore le Mont Bataille là pour Pex? Enfin, y a un moment donné bon... J'aime bien jouer à Pokémon mais c'est pour battre toujours les mêmes... Pokémon, les mêmes combats, etc. Ça me saoulait, quoi. Team Snatch pour la vie. Let's go pour la suite. Retour au saut, là. Oh bah, et là, il y en a plein. Mais donnez-moi les Pokéball qu'il y a dedans. Oh là là, aucun effort. Mais c'est Rosso. Ouah, tu es Ranger. On ne s'est pas vu depuis la maison du maire de Phénacite. On n'a pas besoin de quelqu'un
qui a lâché la Team Snatch, à moins que tu ne sois venu pour m'affronter, moi, Rosso. Si c'est ça, je ne veux pas te décevoir. Allons-y. Et là, il me démolit. Je serai en mode quoi? Ah, c'est bien ce que je pensais qu'il allait être niveau 30. Ça va être un problème. Ça va être un gros problème qu'il soit niveau 30, le furisson. D'où l'intérêt d'avoir le fauchage, du coup. Pour l'instant, on va focus l'autre Pokémon. Bah, s'il est full life, je suis pas sûr hein, que ça suffise. Hein. Une hyper. Ah, il est résistant, le salaud. Il veut lancer l'attaque tunnel sur notre ami. Tu les as comment toutes ces stats? Genre tu les as vues écrites quelque part? Ou c'est toi avec ton expérience de jeu Comment tu sais que c'est cette stat là? Ça m'intéresse de ouf hein, de savoir ça pour les Pokéballs et tout, comment mon expérience plus un gène 3-4 shred quelqu'un. Toi t'as ça? Ah ouais, non mais c'est. C'est trop pratique ça. Ah oui d'accord, ça fait de l'hyper potion et tout. Allez furisson, fais-toi plaisir, fais tes petites attaques. Et ça, tu l'as sur internet? Ton catch rate calculator? Bien joué Altaria! Niveau 60! Sur internet? Ok. Vas-y, ça marche. Après, je m'en servirai pas en jouant parce que je trouve que. Bah, si tu connais les trucs par cœur, tu vois, ça enlève un petit peu de son. De son intérêt. Mais par contre, ça m'intéresse de regarder un petit peu à côté et tout, de voir. Je te remercie, je regarderai tout à l'heure après le stream. C'est intéressant pour ma culture de voir à partir de quand c'est rentable, etc. Bon bah mon petit furisson. À toi d'y passer hein. On a 50 hyperboles, ça va. On est large. Avec la cage éclair. Et du coup là j'ai une chance sur deux de le capturer instant. Alors qu'il est full life. Bon, ça me paraît tellement improbable. Oh l'enfoiré. Pou 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 pou.
Coup critique, moi j'ai rien vu. Je crois que je m'en sais d'un jour aussi sur la honte folie. Sur quoi est basé le pourcentage de dégâts que tu prends de honte folie. J'ai vu qu'en fonction du Pokémon à qui je le fais, ça fait pas des dégâts genre constants. Bah 78% pour l'instant, bon, après c'est parce que moi je suis quelqu'un qui n'a pas de chance, mais... Let's go, Ferrisson capturé. Quand a-t-il pu battre mon Ferrisson? Bah mec, t'es sérieux, il est niveau 30. Genre c'est quoi, c'est le dialogue quand on est à la mairie là? J'ai tout autant que tu peux d'avoir pris mon Ferrisson obscur. Il reste encore plein de dresseurs de Pokémon obscurs de par le monde. Comme ceux d'une cavité physique. Senti Pegasus et 40 sans possibilité de coup de critique. Ok. Je crois que j'ai fait une connerie, putain. Je voulais voir s'il n'y avait pas des coffres. Mais je voulais voir s'il n'y avait pas des coffres. Laissez-moi y accéder tout de suite, s'il vous plaît. Faut que je refasse tout le tour de la base, là. Oh, vous êtes cringe. Je sais que j'ai reçu un email. Je voulais finir tout le truc avant. Oh. Attends, j'ai pas bien lu. Dégâts physiques sans type avec une force égale à 40, possibilité de coup de critique. En gros, plus Pokémon est boosté en attaque, plus puissants seront les dégâts reçus. Ok. Ouais, donc ça dépend de l'attaque du Pokémon. Ok. C'était la réflexion que je m'étais faite, mais j'étais pas sûr de moi, donc je préfère avoir l'avis d'un expert. Oh l'enfer. Mais quel enfer! On veut juste aller au bout! Ça trouve plus y'a rien dans la salle. Oh mais en plus on t'a déjà affronté toi. Lumivol Migalos, ça me parle. Ok. Logique du coup. Ok, mais deux Pokémon ne vont servir à rien. Oh vas-y, on fonce dans le tas, on s'en fout. Ça fera zéro dégâts, ça fera zéro dégâts. On veut juste aller au bout de la zone, là. Coxyclac. Il a... Scarino vient de gagner 7 d'attaque. Non mais vraiment, il est monstrueux, hein. Scarino, c'est vraiment le Pokémon le plus monstrueux que j'ai. Hein. Il vient de gagner 7 d'attaque. Après, je sais bien qu'il y a les IV et tout qui rentrent en jeu, hein, mais... Les œufs. Oh, le salaud! Mon mentaliste! Le pauvre Mentali! Pouette, pouette.
Oh, ces espions sont vraiment trop forts! Ouais, je sais, je sais. Allez, on est reparti! Ça, juste pour savoir ce qu'il y a au bout là. Ça se trouve, en plus, il n'y a rien! Ça se trouve, on fait tout ça pour rien! Non, je pense pas. Le jeu troll des fois, mais je pense pas à ce niveau-là. Il y avait une porte au milieu, c'est sûr qu'il y a quelque chose. Je suis sûr que je fais tout ça pour rien. OMG, fait tout ça pour rien. Attends, sérieux? Mais pourquoi? Mais du coup, c'est pas logique. Et du coup, pourquoi je peux pas y accéder par là? Parce que pour moi, c'était pour ça que c'était pas la porte d'entrée. Parce que comme là, je pouvais sortir et rentrer là, je pouvais marcher dans cette petite zone là qui est juste en bas. Bah, pour moi, c'était une autre. En gros, ils avaient fait un rappel de pattern, en gros, pour pas se prendre la tête à modéliser trop de trucs. Mais en gros, c'était à un autre endroit. Putain, je suis déçu de fou. Ah, je suis dégoûté.